Ouais, yo les gars, c'est Sagdi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo où j'ai mis le triple headshot. Ça y est, je l'ai mise enfin. Alors, n'avancez pas la vidéo, on va y venir. Ça va arriver très très vite, vous inquiétez pas, on va en parler. Mais alors, ça y est, j'ai mis une triple headshot après. Depuis que je joue à Call of Duty 2, même avant, je ne sais pas, depuis les premiers Call of Duty où je joue, hein, depuis toujours. De toute façon, je joue à Call of Duty depuis que c'est sorti. Je l'ai enfin mise. Hein, après avoir plus de 100 triples, une balle. Call of confondu, etc. Enfin, j'ai mis une triple headshot après toutes les histoires qu'il a eu, etc. Alléluia, je l'ai mise, je suis libéré de quelque chose, mais je vais pas vous cacher qu'elle pue la merde. Mais elle pue la merde, cette triple. Mais je crois que c'est la triple headshot la plus bidon du monde, mais clairement. Alors, c'est une vidéo où je suis content, mais je suis pas content. Franchement, je suis dégoûté d'avoir mis une triple headshot comme ça. Ça m'énerve. Franchement, vous allez me dire dans les commentaires votre avis. Elle arrive là, vous inquiétez pas. Avance pas, avance pas. Putain, ça m'énerve les gens qui avancent. Non, mais je suis vraiment dégoûté. Mais vraiment. Mais je l'aurais pas mis, ça aurait été pareil, tu vois. J'aurais mis la quad pareil comme ça. Je m'en foutrais, quoi. Enfin, qu'une quad, peut-être pas, parce qu'une quad, voilà. Mais même une triple headshot, c'est énorme, on est d'accord. Mais. Putain, mais ça me rend dingue, mais vraiment. Mais ma réaction, tout simplement, je vais vous la faire comme si je jouais là. Voilà, ouais, yo les gars, Sagzi, on a un gameplay, etc. Hop, je vise le pré-shot. Tac, ouais, non, mais vraiment ma réaction. Oh, triple headshot. Oh, le fake quad headshot. Putain, mais elle est pourrie, elle est sur le robot. Voilà, voilà quelle était ma réaction. Elle était pourrie. Ils étaient sur le robot, c'est pourri. Enfin, c'est mon avis personnel. Enfin, j'en sais rien en fait, parce que c'est une triple headshot, mais. Je sais pas, franchement, je la voyais pas comme ça, ma triple headshot, tu vois, c'est comme ta première fois, quand tu vas niquer pour la première fois, hein. Tu t'attends que ce soit fantastique, tu t'attends pas à avoir une putain de touffe de merde avec une chatte comme ça. Et là, c'est pareil, mais clairement, j'ai l'impression que je n'ai rien fait, hein, c'est comme si la meuf comme ça, j'aurais mis la table, mais ça change rien, c'est... Je suis dégoûté. Alors là, c'était une vidéo comme ça. Je pensais que quand j'allais en mettre une, j'allais vous faire une putain de vidéo, un putain de truc et tout. Et ben là, je sais pas qu'est-ce que ça va donner comme vidéo. C'est un peu con. Je sais même pas pourquoi j'ai parlé de vagin comme ça. Mais dans tous les cas, voilà. J'ai mis dans tous les cas ma triple headshot. On verra plus tard si j'en remets une. Parce qu'il faut vraiment que j'en remette une. Parce que là, concrètement, je ne veux pas une triple headshot comme ça. Elle est bien. Enfin, non, elle est pas bien. Non, justement. J'en veux une meilleure. J'en veux une random. J'en veux une où je m'y attends pas. Tu vois, j'en veux une qui me donne la trique, quoi. Putain. Voilà, sur ce, les gars, c'était Sagzi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la triple headshot et lâchez un putain de like parce que ça fait combien de temps qu'on me casse les couilles avec les triple headshots. Alors, on envoie tout en l'air, voilà. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, je suis un peu surexcité, mais d'un côté un peu blasé. Et puis voilà, mais écoutez, sur ce, les gars, c'était Sagzi. Je vous laisse, je vous smoke tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'ai mis ma triple headshot. Voilà, vagin, trick, allez.